respectée? Bah logique, ouais, on va dire logique respectée. On fait en sorte d'être encore une fois en finale. On était un peu favori avant le match, mais on a joué contre une très très belle équipe de Jet. On ne peut pas leur retirer leur parcours qui a été magnifique. Je tiens à leur féliciter parce que avoir éliminé des équipes de Division 1 avant de nous affronter, c'était une belle perf, surtout d'éliminer Anvers. Après, s'ils ont éliminé Anvers, c'est qu'ils étaient meilleurs qu'Anvers. Donc aujourd'hui, pour la deuxième fois d'affilée, on est, j'espère, au sommet de la Belgique avec notre école de jeunes. C'est notre vitrine pour l'école des jeunes. Et aujourd'hui, deuxième année d'affilée qu'on est en finale. On discutait tout à l'heure, avant le match ensemble, que tu étais obligé de prendre quelques joueurs de U21 en équipe première. Est-ce que ça... Bah oui, on va pas se cacher, ça leur a donné de la bouteille pour des matchs comme ceci. Bien sûr, ça leur a donné de la bouteille. De toute façon, la squadra Moucron, c'est l'école des jeunes qui prime. Aujourd'hui, en équipe première, on a toujours 80% de l'effectif qui a été formé au club. L'an passé, on s'est maintenu avec un effectif 100% formé au club. On fait des miracles tous les ans avec nos jeunes. On est l'un des les effectifs les plus jeunes de Division 1. Et aujourd'hui, on récolte les fruits. C'est sûr qu'en donnant de la bouteille aux jeunes du club en Division 1, on récolte les fruits avec la Coupe de Belgique en U21. Maintenant, ici avant le match, vous avez présenté 4 nouveaux joueurs. C'est pas parce qu'il y a 4 nouveaux joueurs qu'on va se priver de jeunes. Non, c'est clair. La dynamique du club, ça a toujours été les jeunes. Bien sûr, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut qu'ils soient encadrés par des joueurs un peu plus expérimentés, qui viennent un peu d'ailleurs. Après... L'objectif, c'est de réaliser le maintien. Je vous avoue qu'aujourd'hui, ma tête elle est un peu encore dans le maintien et je savoure, mais pas aussi bien que je devrais le faire. Quelle a été la clé du match ce soir, Ali? Moi, je pense que c'est un groupe. La squadra, c'est un groupe. On a des individualités qui se donnent au collectif. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. On a un groupe, on a eu beaucoup de rotations. On a tourné avec 3-4 de base quasi. Et eux, ils n'avaient qu'un 4 de base, voire un ou deux remplaçants. Donc c'est là la diff. Et beaucoup d'audace parce que tu fais tourner justement tes gardiens. Comme tu dis, tu fais une tournante, tu fais tourner tes gardiens. Tu mets un gardien en première mi-temps, un gardien en deuxième. Généralement, on met toujours le meilleur de son effectif. Mais là, c'était pas ton choix. Ton choix, c'était vraiment faire profiter tout le monde de cette soirée. Oui, après, on a l'habitude avec les deux Greco Salvatore qui jouent une mi-temps chacun depuis maintenant deux saisons, voire trois. En U21, même s'ils sont très jeunes, mais comme on travaille très bien avec les gardiens à la squadra, on en fait profiter tout le monde. Et après, les meilleurs ont joué, les plus en forme ont joué. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Merci à toi, coach, et savoure bien ça, hein, parce que les choses viennent la semaine prochaine avec le FT Charleroi. Un autre morceau, ça. C'est clair. Maintenant, après, on va se concentrer vraiment sur le championnat. On va essayer de maintenir l'équipe première. Et après, les U21 qui font un très bon championnat, on va essayer de finir sur le podium. Merci à toi, coach. Merci. Merci beaucoup.